Monsieur Donald, bonjour. Bonjour. On peut se tutoyer, j'imagine. Bien sûr. Il fait trembler la France. L'homme qui fait trembler Paris. Mais oui, c'est l'identité que les gens vous donnent. L'homme qui fait trembler la France, qui fait trembler Paris. C'est Donald, tout simplement, de mon nom, Ngouma de Mangoubi. Voilà. Je suis coordonnateur d'une association, donc Collectif Sauvons le Congo, que les créateurs ont bien voulu me confier la tâche. Le mouvement des combattants, c'est une fédération des associations. On s'est regroupés pour former une plateforme des gens courageux, des gens forts, pour pouvoir s'appeler les combattants. Et l'origine, ça vient de la R. Est-ce que le concert de Roga Roga aura lieu? Je dis tout de suite, il n'aura pas lieu. Voilà. Et ça, cette combat, c'est pourquoi je veux le dire, pour bien les mettre à zéro. Et ils font peur à personne. À personne. Vous avez vu une seule vidéo où il est parti casser ou il a fait un truc? Non. Il n'a jamais fait. Nous, on fait et on assume. Pour notre pays. Vous en fait... On fait et on assume pour le Congo parce qu'on aime le Congo. Vous êtes des casseurs. J'assume. Je deviens casseur à cause de Sassou. Je l'assume. Voilà. Et on a des dossiers ici. Si on va en avoir d'autres pour le Congo, on va les avoir. Notre limite, on ne s'attaque pas au bien français, on ne s'attaque pas aux Français. C'est ça notre limite. Tu es conscient que ça fait de vous des fichiers S? Si c'est pour le Congo, j'ai dit. Advienne que pourra, si c'est pour le Congo. J'aime le Congo. C'est la seule patrie que j'ai. Et je vais défendre le Congo. Même au prix de mon sang. Je vais défendre le Congo. Mais ce ne serait pas mieux de le faire sur place au Congo? Ndoumi est là qu'il est. J'ai parlé du rapport de force dès le départ. À moi seul, je ferai quoi? Rapproche-toi. D'accord. Et Mireille Lafine, alors, finalement, elle va continuer à travailler ou finalement vous avez fait définitivement fermer sa boîte? Je vous transmets les phrases qu'elle a dit. Elle a dit, nous sommes les combattants, nous sommes en association. Il y a Mireille Lafine qui louche vous ici, qui nous a défiés et tout l'autre là. Et nous, on vous dit, avant de commencer à casser ici, nous savons que vous n'êtes pas dans le problème. Parce qu'elle loue, elle n'est pas propriétaire. On préfère vous prévenir parce que nous sommes justes. On n'est pas les fous. Donc là, vous arrêtez avec elle ou nous, on passe à l'action. La diable, du coup, j'en arrive là. Du coup, elle a dit, ah papa, quand est mon cicaté. À Longwe déjà. Automatiquement. Elle a dit, à Longwe, tu crois qu'elle ne m'a cicaté. Elle a déjà quitté la maison, je te dis là, je l'appelle. Elle a quitté, je ne veux pas des problèmes avec des gens. Suis le pauvre dame, suis malheureux, je cherche mon argent. Et si elle présente des excuses? Si elle présente des excuses, je vous dis, je ne suis pas jusqu'au boutiste pour écraser une personne, pour chercher, non. Yeah.
bonsoir là-bas. Je salue ma lobby, je salue maître. Ah, c'est bien. De peur. Pourquoi tout le monde me dit d'avoir peur? Tout le monde me dit de me méfier. Tous ceux qui suivent l'émission me disent: ah, Samayela, ah, Samayela, ah, tu vas combattre un bébé, ouais. Ah, Samayela, pourquoi? Parce que tout le monde, en fait, en fin de compte, tout le monde me demande de te craindre. Mais là, on s'est rencontrés avec un sourire. Je suis, oui, tout à fait. Je suis un humain normal. Beaucoup pensent que Donald ne sourit pas. Je souris, je suis un humain normal. Moi, mon problème, dès que tu commences à soutenir Sassou, alors là, sans le vouloir... Donc, je peux déjà dire, je peux déjà d'ores et dire à mes téléspectateurs de ne pas s'inquiéter que Donald ne va pas faire une opération coup de poing sur moi et mon restaurant. Non, non. Je ne serai pas... On veut que la majorité des Congolais nous soutiennent. On ne veut pas que la majorité des Congolais nous détestent. C'est un problème. Donc, pour revenir sur Mireille, la fille, la dame, moi, j'ai contacté cette émission-là, nous la faisons, pour vous dire déjà, j'ai contacté les amis qui m'ont dit, elle présente ses excuses, parce que j'ai voulu prendre une décision personnelle. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, m'a dit, non, 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 tu contactes tes amis. J'ai rappelé les amis. Et les amis m'ont dit, ah non, Donald, elle posant ses excuses, et nous, on contactera la dame afin qu'elle allait s'aller. Sinon, nous, on va appeler la dame, on va la menacer encore pour lui dire, tu cèdes pas. Donc voilà, Mireille le message est passé. Mireille Lafine, je pense que le message est passé. Le choix te revient, la balle est dans ton camp. Si tu présentes tes excuses, apparemment, ils vont te laisser de continuer ton travail. Si tu ne veux pas non plus, ce qui est ton droit, hein, éventuellement, vu que nous sommes dans un pays de droit, je persiste toujours à le dire, elle n'est pas obligée de demander, de présenter des excuses. Elle n'est pas obligée, moi aussi je le dis. Et de voir jusqu'où vous pouvez aller. Voilà. D'accord, donc voilà, Mireille Lafine, la balle est dans ton corps, c'est à toi de décider. En tout cas, Donald a dit qu'il n'était pas extrémiste au point à vouloir t'étrangler. Mais, Prince Aïssa, attends-toi à une visite surprise, on ne sait jamais.